envoyé Antoine à Balandou. Mon combat, Seigneur. Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, nous savons que les noms ont des influences. Si cet enfant est venu sous ce nom, Dieu, tu le savais avant la fondation du monde. Maintenant qu'il est venu, pendant que le monde est réellement sous contrôle de l'esprit de Sodome et Gomorre, où réellement ce qui est bien est appelé mal, ce qui est mal est appelé bien, Seigneur. Cet enfant, tu l'as envoyé dans ce temps, tu sais pourquoi tu l'as envoyé au Dieu. Je l'abandonne maintenant, tu t'aimes au Dieu. Je sais que Jésus-Christ, quand tu t'aimais, on t'avait amené dans le temple pour être consacré. Nous aussi, nous faisons la même chose. Nous ne baptisons pas les enfants, mais nous les consacrons pour les mettre, ô Dieu bien-aimé, sous ta protection divine, ô Dieu. Nous savons que l'ennemi Satan, comme l'Apocalypse nous dit, qu'il fera le commerce des âmes. Et il cherche souvent les âmes des enfants, Dieu, car ce sont les âmes pures. Ô Dieu, garde en toi. Protège-lui contre le danger, ô Dieu. Je l'abandonne maintenant, ô Dieu bien-aimé. Tu l'as envoyé dans la famille Mobonga. Et maintenant, nous l'envoyons et nous le remettons dans la famille de Christ. Père, fais sortir Antoine, ô Dieu bien-aimé, dans cette famille physique, ô Dieu. Amène-lui maintenant dans la famille christique, la famille spirituelle, ô Dieu, pour qu'il soit protégé, Seigneur. Je sais que ses parents ne peuvent pas le protéger contre les démons, contre la sorcellerie, contre tous les mauvais esprits, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux le protéger, ô Dieu. Père bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, Père puissant, si l'enlèvement tarde, laisse que cet enfant te serve, ô Dieu. Qu'il soit réellement ton serviteur comme son nom, ô Dieu. Car nous savons, comme le prophète dit, s'il y a réellement un travail, qui est un travail réellement digne, c'est servir Dieu. Père Tout bien-aimé, je l'abandonne tes mains, ô Dieu. Maintenant, Père Tout-Puissant, devant les saints de cette église, ô Dieu, je l'abandonne. Reçois-le dans ton royaume, ô Dieu. Qu'il soit protégé par ta grande colonne de feu. Tout esprit mauvais qui planifiait contre lui rencontre la grande colonne de feu, Dieu. Père, il est venu, c'est une nouvelle bouche qui est venue, Seigneur, qui va demander la nourriture, qui va demander, Père Tout-Puissant, la provision. Tu l'as envoyé pour voir maintenant, Père Tout-Puissant, les moyens à ses parents, son père, le travail, Père Tout-Puissant, Dieu, pour voir un travail, pour voir un rêve, Père Tout-Puissant, ressourcer son père, de sorte qu'il ne manque pas à manger, Dieu. Afin que sa mère ne manque pas à manger pour avoir la bonne santé à nourrir l'enfant, Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Dieu. Encore une fois, Père, je laisse ses parents t'aimer, ô Dieu. Qu'il soit sécurisé par toi pour faire grandir cet enfant dans la voie de Dieu. Il est écrit que faites la connaissance de Dieu aux enfants. Quand ils vont